Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et vous l'avez peut-être reconnu, cette voix si... Mélodieuse. Mélodieuse. Du côté de Pas à l'horizon, elle directerait JB pour les intimes. Et vous êtes tous des intimes. Ce sont tous des intimes. Oui. Tous. Et toutes, pardon. Et toutes. Bienvenue à tout le monde. Bon, JB, s'agit de... On va dire d'une nouvelle aventure pour toi. Hein. C'est une nouvelle aventure dans à Champigny-sur-Marne. À Champigny-sur-Marne. Bah, raconte-nous un petit peu là, voilà comment tout ça s'est passé. Rappelons-le, hein, tu étais à Fontenay, tu as été l'un des premiers. Enfin, en tout cas, tu fais partie des clubs qui ont lancé le paddle en région parisienne. Hein, on peut dire ça comme on ça. On peut le dire. Et puis bah voilà, aujourd'hui c'est une page qui se tourne. Et une nouvelle qui commence dans un centre plutôt sympathique. Eh ben ouais, on a bien aimé. Ça faisait 2 ans qu'on cherchait à bouger parce qu'on avait 3 terrains de paddle indoor et 1 terrain de paddle outdoor et on se rendait bien compte qu'il fallait grossir et avoir des conditions de jeu qui soient plus en correspondance avec les attentes de nos clients, c'est-à-dire plus de hauteur sous plafond. Là, on a presque 10 mètres de hauteur sous plafond et ça, les clients nous disaient fréquemment. Donc on a une belle opportunité à Champigny qu'on a saisie avec Fabien Weber qui nous accompagne sur ce projet et ça c'est que du bonheur. Tu sur le plan padelistique, on a pu voir que tu avais quelques facilités pour mener la baguette, non ? Pas pour mener la pala, pour mener la baguette. Non. La pala, j'ai pas cette ambition. Faites attention à vos têtes. Non, la pala, j'ai pas cette ambition. En revanche, on a trouvé des belles formules pour nos joueurs et notamment joueuses, notamment avec un principe de cours et un prof absolument génial qui est Fabrice Ortiz. Et ça c'est top, c'est vraiment quelqu'un qui gagne à être connu et qui est vraiment super. Donc voilà, chaque semaine on a a priori 60 belles, superbe sortie de Maxime Bourgoin qui vient contrer Mathieu Lapouge. Non, je disais, on a mis en place des cours qui plaisent à tout le monde et qui permettent à tout le monde de progresser, et ce quel que soit le niveau. Belle volée de Fabien. Mathieu Lapouge qui vient lui rendre l'appareil. Allez, donc toujours 40-30 pour Weber Bourgoin. 1-0 Mana Lapouge. Quel amorti. Bon, c'est du classique, hein. On verra régulièrement les petites amorties Max. De Ah oui, c'est ça spécial, on peut dire que c'est vraiment sa marque de fabrique. Il y en a qui ont une belle voix et on les reconnaît. Lui, il a une belle amortie. Et des beaux tatouages. Et des beaux tatouages. Tactiquement, c'est bien joué. Bien joué, Morgane. Bon, une finale qui était attendue. Pas vraiment de surprise hein, sur cette finale. Et ils sont, on va dire, ils ont parcouru cette compétition sereinement. Sereinement, sans trop de difficultés. Mais il faut être présent. On a déjà vu des surprises. Là, c'est pas le cas. La hiérarchie est respectée. Thank you.
On a une paire qui joue souvent ensemble, Morgan et Mathieu, qui font les tournois et le Tour de la France. Maxime et Fabien, c'est un petit peu plus, un peu moins fréquent. Nouveau t-shirt hein, de Monsieur Lapouge. Avec, ouais, nouveau t-shirt, pour eux, ça doit être la nouvelle collection. La nouvelle collection Black Crown. Et Morgan et Fabien ont la nouvelle collection Bull Paddle, car eux sont ambassadeurs Bull Paddle. Tandis que Monsieur François Lusinard nous passe le bonjour. Bonjour François. François Lusinard du Fox Center à Boulogne-sur-Mer. Qu'on espère retrouver à Malaga. Oui. Pour absolument. La CTO Cup. Oui, oui, oui. Dans quelques mois encore, dans on est un mois. Petit peu loin. Ce sera pour il faut les, se qualifier. Pour les phases finales. Ou si on ne se qualifie pas, il faut payer le billet d'avion. Ah. Moi, je ne me qualifierai pas, mais je paierai le billet d'avion. Pour faire partie du public. Pour faire partie du public. Oui, d'accord. Aucune ambition à ce niveau-là. Des points qui durent. Alors, quand même, toute petite observation, je me la permets. Monsieur Weber se trouve dans la diagonale de Monsieur Lapouge. Et je pense que c'est une première, puisque en tournoi, en tout cas, de mémoire d'homme, je ne me souviens pas les avoir vus jouer l'un contre l'autre, en tout cas dans la même diagonale. Non, 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 non. Maxime Bourgoin a quand même plus d'aisance sur ce match. Donc il était logique que Fabien se déplace à droite. Sachant que la collaboration de Mathieu et Fabien a pris fin cette année. Ils en demeurent toujours des très bons amis. Oui, enfin, leur collaboration Weber-Lapouge, elle a cessé il y a à peu près 2 ans. 2 ans ? Ah, autant pour moi alors. Et qu'effectivement, depuis, Monsieur Lapouge a joué avec quelques autres joueurs, hein. Et puis avec Morgan depuis 6 mois. 6 mois, crois. Exactement. Ah, ouais. Alors Monsieur Lapouge, c'est le gaucher qui se trouve tout là-bas, tout au fond, à gauche. Il est gaucher avec le t-shirt rose. Et Monsieur Fabien Weber, il est de dos, c'est lui qui est au service. Il joue aujourd'hui à droite, mais jusque-là, il jouait donc à gauche. Voilà, voilà la petite histoire. Et donc, j'ai appris d'ailleurs tout à l'heure, mon cher JB, que la paire Weber-Moreau jouait non pas pour le club Paddle Horizon, mais jouait en Ligue Grand Est, ah, pour les championnats de France de padel. Allez-y, messieurs. Je pense que tu voulais dire Weber-Bourgoin. J'ai dit... Weber-Moreau. Weber-Moreau, j'ai dit. Exact. Tu as dit Weber-Moreau. Tu as dit Weber-Moreau. Ah, c'était... Oui. Bon. Un lapsus, je ne sais pas. Je sais pas, oui, peut-être, effectivement. Où sont les championnats de France cette année, Franck? Où en sont les championnats de France? Alors d'abord, les phases finales auront lieu au Toulouse Padel Club en septembre prochain. Je crois entre le 23 et le 25. Enfin, en tout cas, on ne va pas être très loin. Et puis, donc on a les phases de comité, là, phases départementales, là, qui ont lieu un petit peu partout en France. Et puis, on a les phases régionales qui vont avoir lieu en Ile-de-France, je crois que c'est fin juin. Si je ne m'abuse. Fin juin, ouais, exactement. Ouais. Et on aura également des phases régionales un petit peu partout en France à des dates différentes. D'ailleurs, c'est ce qui a provoqué une petite polémique, puisque du coup, c'était pas évident pour tous les joueurs et pour tous les clubs, notamment, qui proposent des tournois,
Voilà, parce qu'à chaque fois qu'elle propose un tournoi, il y a forcément une ligue qui propose une phase régionale et il y a une partie des joueurs qui ne peuvent pas venir à leur tournoi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, ouais, c'est toujours là. Il y a de plus en plus de tournois, de plus en plus de clubs. Et c'est vrai que désormais, il va y avoir des calendriers un peu chargés. Donc il faut que la FFT communique peut-être un petit peu plus en amont sur les phases départementales et sur les phases régionales. Si ça pouvait être calé en début d'année, ce serait parfait. Alors le problème qu'il va y avoir, c'est qu'il ne s'agit pas d'un problème de la FFT, en réalité il s'agit plus d'un problème de ligue, puisqu'en fait les ligues et les régions sont autonomes. D'accord. Et ce sont elles qui votent, qui valident une date en fonction aussi d'un calendrier tennis, un calendrier beach, et elles doivent proposer ensuite une date padel à un moment donné. Et forcément les régions ont chaque région a des obligations différentes. D'accord. La FFT y a réfléchi, mais les ligues ont expliqué que c'était vraiment très très compliqué de proposer une date similaire, en gros une phase régionale qui serait la même pour tous. Mathieu qui vient conclure d'un smash dont il a le secret. Difficile, hein. On est toujours à 2-1, égalité. Fabien qui lobe un petit peu trop haut. Sachant qu'il connaît ce centre. Alors on joue sur un terrain de padel qui commence à fleurir un petit peu partout en France et évidemment en Espagne, puisque ça nous vient, cette on va dire tendance nous vient d'Espagne. Des terrains sans. Oh, en tout cas avec très peu de sable, beaucoup moins sable, que la normale. D'ailleurs, vous vous en rendez compte certainement sur les images. Tandis que nous avons la grande Maya, grande joueuse, et Gabi, qui est là. C'est des terrains avec une moquette, on appelle dernière génération. Donc on ne voit plus le sable, même s'il en reste un petit peu. Il y a entre 400 et 600 kilos de sable par terrain. Donc toi qui as testé et déjà joué sur ces terrains, pour toi c'est quoi la différence dans le jeu ? La différence dans le jeu, c'est qu'on a déjà au niveau du contact pied-moquette, c'est plus agréable. On glisse moins et le sable est uniformément réparti. Donc ça c'est très agréable. Après sur le contact balle-moquette, on a l'impression que ça ralentit le jeu. Sauf quand vous jouez contre Mathieu Lapouge et Morgan Manarino. Quoi qu'il en soit, ça va vite. Mais sinon, le jeu est un petit peu ralenti. Et pour un exploitant au demeurant, je crois que la durée de vie de la moquette est un petit peu plus longue. Ah, alors c'est marrant parce que... Ok, très bien. Parce que effectivement, je pensais qu'on ne savait pas et qu'il fallait voir justement ce que cela donnait dans le temps. Voilà. C'est le sable. Alors, plus il y a de sable et plus la moquette s'use. D'accord. Donc, il y a un juste milieu à trouver entre l'ajout de sable régulier et l'absence de sable. L'absence de sable n'est pas bonne pour un terrain de paddle, quoi qu'il en soit. Alors oui, effectivement, il y a également donc deux autres clubs qui proposent aujourd'hui ce type de terrain. Il y a trois. Il y a le Big Four à Bordeaux. Le Big Four à Valenciennes, il y a le Big Padel. Mm-hmm. Le Big Padel, alors le Big Four, j'ai un petit doute là, Valenciennes. Je crois que je voulais parler en fait du Big Padel à Bordeaux, Big Padel, hein, d'accord. Absolument. Où ils ont eux ne proposent que ça sur leur site terrain. Ensuite, il y a le Toulouse Padel Club qui a non seulement a rajouté 4 terrains de plus, donc aujourd'hui on est à 10 terrains de padel. Plus 2 d'ailleurs, donc on va être à 12, ou on est déjà à 12 d'ailleurs, puisqu'ils ont rajouté 2 terrains outdoor. Et ils ont posé des terrains, au moins un en tout cas, avec une moquette. Dernière génération. Et puis il y a également le club lyonnais Esprit Paddle. À Saint-Priest, qui propose que des moquettes dernière génération. D'ailleurs, j'y avais fait un petit saut là il y a quelques semaines. Et effectivement, ça avait été super sympa en extérieur, là, c'était super beau, et c'était vraiment génial. Effectivement, c'est assez doux. C'est assez doux, ouais, au contact. Au contact, et puis même
C'est vrai que je pense que, comme tu l'as dit, pour un club, c'est le côté spa, c'est qu'on n'en met pas partout. Exactement. Aussi. Oui, en termes. Non, mais c'est un excellent argument. On ne rapatrie pas le sable de l'extérieur vers l'intérieur. Et on n'en a pas dans tout le club. Non, exactement. Non, c'est un très bon point, Franck. Allez, tandis que la paire Mana la Pouge hein, a briqué et mène 4 jeux à 1. Donc c'est à Weber Bourgoin de servir. Reprise de cette finale du P500 avec Laurent Michel qui s'intègre dans la partie. Qui s'intègre, d'accord. Qui s'invite ? Non, il s'intègre. Ah, il s'intègre, d'accord. Laurent est dans l'intégration. Il est dans la... Oula. Magnifique. Quel contre de Morgane. Magnifique. Bon, et puis peut-être que tout à l'heure, je vous chanterai la fameuse chanson réalisée, créée par Fabien Weber lors des championnats de France autour de Morgane. Oula, je crois que ça touche pas le filet, le smash. Le smash, j'ai cru voir la fin de la raquette toucher le filet, mais... Nous sommes en auto-arbitrage, donc... Une erreur de ma part. Nous avons 4 gentlemen sur le terrain, donc vous ne devriez pas avoir de problème. Max Bourgoin qui conclut après un match que l'on qualifiera de foireux. Oui, parce que vous l'avez remarqué, JB est un fin technicien qui sait manier la parole et le verbe padelistique. Tout ça sont des termes techniques, évidemment. Max Bourgoin qui nous vient d'Espagne, une petite région alsacienne. Quoi, la foirade ? Non, la machine, on l'appelle la machine. Ah, la machine, d'accord. Ces deux paires représenteront Padel Horizon à la CTO Cup. Et j'espère grâce à eux aller à Malaga. Point. Belle. Maxime Bourgoin qui conclut un petit marathon. Allez, on peut peut-être aussi parler quand même du tournoi qui s'est déroulé tout à l'heure, qui s'est terminé tout à l'heure, hein, au PEC. Bien entendu. Puisqu'il y a eu quand même une petite surprise. Enfin, petite. Je dirais, la surprise surtout, elle est venue de Aurélien et de Luc.
Saint-Loup et Rimbaud, qui ont réussi à passer le cap Cyril Conti et Sébastien Gué en demi-finale. Bonjour et, Luc. Voilà, donc vraiment, paraît-il, une très belle demi-finale. C'est vrai que c'était pas forcément prévu de les voir en finale, donc bravo à eux. Et on a eu également, alors c'était la partie basse du tableau, la partie peut-être la partie poule de la mort, hein, partie compliquée, puisqu'on se retrouvait avec la paire Thévenot-Maigret et la paire Oradou-Pommier dans la même partie de tableau, qui se sont retrouvés donc en demi-finale. Et c'est Thévenot-Maigret qui a réussi à s'en sortir. Morgane qui teste les grillages. Eh bien, on a Mélie qui est présent, Mélie du Paddle Club, qui passe le bonjour. Bonjour Mélie. Justin Garnier également. François Lorenzo qui est censé pourtant travailler à Montpellier. Je crois qu'il a un tournoi de padel à gérer. Ok. Parce qu'on a senti que le Coca Zero passait pas bien. Ah. On nous a dit que ce qui se passe en train de bronzer, je crois, ou en train de nager au club des pyramides. Quelle dure vie tu as, Pauline. Oui. Pendant que Franck travaille. Ah, j'ai balancé. On lui a mis une lampe à bronzer aussi, à Franck. Ah oui, bah tu m'as pas vu, hein, quand... C'est vrai que Pauline, dès que tu lui mets du soleil, ça cuit. C'est la première cliente de L'Oréal. Allez, toujours 5-2 en faveur de Mana Lapouge. Dire que Fabien a un petit peu moins de repères à droite qu'à gauche. Superbe, superbe. Quelle défense de Maxime. Quel point! Quelle défense! Maxime qui rattrape la balle deux fois. Superbe! Stéphane Rodriguez qui nous écoute. Belle! Qui gère le TCM5 à Lyon. Et il proposera, je crois, fin août ou début septembre. Un énorme tournoi P1000 dames parce qu'il souhaite s'investir à fond chez les dames. C'est un peu son créneau aujourd'hui et je pense que il a raison, même si en même temps il y a beaucoup de clubs dont le tien, hein, qui essaient d'en faire la promotion, mais c'est pas si évident que ça. C'est compliqué, mais c'est un sport qui est absolument génial, qui a cette capacité d'être joué par tous et par toutes. Et ça, c'est superbe. Allez. On voit Morgane qui rigole. Joli point. Bon,
Max est heureux quand même, hein, parce que ce smash, normalement, on ne doit pas le revoir. Et on voit que Max a une petite main sur la hanche et un petit souffle haleté. Fabien touche le filet, c'est dommage. Il devrait savoir où il est le filet, parce que c'est lui qui l'a installé. Petit lob de Max. Max qui conclut. On a de très très jolis points cet après-midi. Est-ce que tu as vu que François Lusinard avait lancé un nouveau produit? Je ne sais pas si tu en as entendu absolument parler. Ah bah si, j'en ai entendu. On en a entendu parler. Je pense que ça peut être un produit très innovant. Le principe est d'assurer votre matériel et votre paddle raquette. Je me permets d'en parler parce que je trouve que en tant que responsable de centre, on a souvent des problèmes avec les raquettes. Quelles que soient les marques, et le fait de dire écoutez, assurez-vous. C'est un matériel de qualité, il faut savoir en prendre soin et ça c'est une très très bonne idée. Cox Assurance. Exactement. J'espère que vous ne parlez pas anglais en disant ça, monsieur Benisti. Passer de longueur sur le lob de Max. Morgan qui conclut. Les débats se sont un petit peu rééquilibrés. Oh là. Trois 15-0 pour Morgan Lapouge. JB, je pense qu'on a le droit de remercier quand même Monsieur Clément Lefebvre. Ah ben, on peut le remercier ou pas? Parce que je peux te dire que ça rigole pas. C'est lui, c'est grâce à vous que vous avez le live score. C'est grâce à Clément. Clément qui est d'origine lyonnaise. Ah c'est pour ça alors. C'est pour ça. Quelqu'un de bien. Aura le privilège de jouer la Champions League l'année prochaine. Allez Max, allez. Allez Max. 40-0, 3 balles de 7, 5-3. Oh. 6-3, premier set Morgan Lapouge. Il y a eu un test sur les chaussures Bull Paddle.
0,15. Bon, moi j'ai une petite question, JB. Allez, je vais lancer un pavé dans la mare. Hein, je vais pas me faire des amis. Mais là, par exemple, sur le dernier smash, certes facile, de Mathieu Lapouge. Peut-être a-t-il smashé du côté de ses adversaires. Exactement. Parce que vous le savez peut-être, on a le droit de jouer dans la partie adverse uniquement si la balle vient de derrière. C'est-à-dire qu'après que la balle ait touché la baie vitrée de son côté. Exactement. Et on ne peut pas taper la balle lorsque du côté des adversaires lorsque la balle provient directement du côté adverse. Tout à fait. Et là, bon, moi je me serais permis de dire quelque chose quand même sur ce coup-là. Hein. Parce que la balle était certes facile, mais si on la laisse passer... Elle revient. Si on la laisse passer un petit peu, cette balle-là, elle passe le filet, elle devient courte du coup. Et c'est exactement. Beaucoup plus compliqué à smasher cette balle-là, cette balle. Break d'entrée entre de la Pouge Manarino. Quand est-ce qu'a lieu le prochain P1000, Franck ? Ah bah dès la semaine prochaine, hein. Dès la semaine prochaine, il y aura un très gros tournoi au Cap d'Agde. D'ailleurs, ce sera, le hors National Paddle Cup, ce sera leur premier gros grosse épreuve, puisqu'il s'agit d'une épreuve qui vient se mélanger avec l'inauguration de leur quatrième terrain. Superbe. Quel missile de la Pouge. Quel contre de Monsieur Bourgoin. Bravo, messieurs. Ah, je crois que là, toutes les semaines, tous les week-ends, ça va s'enchaîner. Hein. On va arriver sur une période... Les quatre terrains sont-ils en extérieur? Je ne suis pas allé au Cap d'Agde. Oui. En fait, il s'agit d'un terrain semi-indoor. Les trois terrains sont outdoor, mais le terrain qui est construit est un semi-indoor. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un préau. Et c'est vrai que nous, enfin pour la National Paddle Cup, on est évidemment très très contents puisque chaque année on se retrouve avec beaucoup beaucoup de gens toute la semaine. Et c'est vrai que du coup, un terrain de plus, et ben ça fait la diff, comme on dit. Quatre terrains, c'est pas trois. Tu sais ça, je crois. Tu connais ça. Exactement, c'est pour ça qu'on a déménagé. Plus de mini-terrain par contre. Plus de mini-terrain. On laisse désormais nos adhérents s'ils sont... S'ils sont deux s'entraîner sur les terrains, ils ont maintenant l'habitude de jouer soit en diagonale, soit se faire des longueurs. Tu as combien de terrains de badminton? Nous avons... C'est un complexe 3, on appelle ça un complexe 3 raquettes, badminton, squash et paddle. Et on a quatre terrains de badminton qui se jouent en alternance avec le tennis. Parce qu'il nous reste un terrain de tennis. Qui est où? Qui est au fond à gauche. Ah oui, au fond à gauche, oui, il est puni, d'accord. Puni, je n'irai pas jusque là. Néanmoins, il est moins mis en valeur que le paddle. Et pendant ce temps-là, hein, ça fait quand même 2-0. Mana Lapouge, break fait, hein, quand même, hein, dans le deuxième set, 6-3-2-0. Tandis que l'horloger Clément Lefebvre suit la partie... de manière très minutieuse. Oh là 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 là. Oh là là. La bonne humeur est de mise cet après-midi.
Tandis que Harry Padelman, Harry Padelman que tu connais peut-être, je ne sais pas, Harry oui. Padelman, ça bonjour Harry, tout à fait. D'accord, donc semble un connu et reconnu au club Padel Horizon, qui nous dit que par rapport au smash de Mathieu Laplanche tout à l'heure, eh ben, il estime que le smash est faux. Ouais, ce smash est faux. Il explique que Mathieu a fait la faute en smashant, car il a passé le bras de l'autre côté du filet. Alors, petite précision, c'est pas une histoire de bras, c'est une histoire que lorsque au moment où il frappe la balle, s'il la frappe du côté adverse, là la balle est faute, mais il a le droit de terminer son geste de l'autre côté. N'est-ce pas, monsieur, mon cher JB ? Tout à fait, et il y a aussi le principe que la balle revient ou ne revient pas. Oui, alors là, en l'occurrence, il parlait de cette fameuse balle où elle provenait directement du camp adverse. Et le match de la troisième place vient de se terminer. Oui, avec une victoire de... Oula, Thomas Schmitz fait une... nous fait un visage qui veut dire beaucoup de choses, qui signifie beaucoup de choses. Non, une victoire de Bonvier... Bonvier Laurent Michel sur Schmitz et Ruiz. On remerciera Dunlop qui nous accompagne sur ce tournoi. Parce qu'il faut remercier les marques lorsqu'elles nous accompagnent. Et là, grâce à Dunlop, on a pu faire ce joli tournoi. Merci à cette marque. Balle de double break, hein, mon cher. Hein. Au passage. Les points défilent un petit peu. Ouais, balle de double break et... Des balles de match peut-être. Oh là là là. Morgan qui a voulu rejouer sur Fab. Un jeu un petit peu étrange là, de la part de Morgan qui s'est un petit peu peut-être déconcentré, non qui... Oui, je pense que le sourire veut tout dire. Oui, il y a eu quelques fautes directes dans ce jeu, ce qui permet à Fabien et Maxime de rester au contact. Laurent Michel est à côté de moi, je le salue. Salut. Salut Laurent. Laurent Michel qui, vu son sourire, a forcément remporté cette partie-là. On le sent décontracté, on le sent... Oh là, 3, alors qui a remporté cette troisième place, 3 et 4, c'est 3-6-4 face à la paire Schmitz-Ruiz. Et on voit au loin, vous le voyez pas, si peut-être sur la caméra à gauche, on voit le père Sébastien Ruiz. Comment pourrait-on décrire cette position ? Soit il joue à Tetris, soit il a perdu. Ah, d'accord. Il a perdu. Et il vient recevoir un gros bisou de son fils. Et ça, c'est le plus important. Joli contre de Mathieu qui vient sortir la balle. Max là il s'en veut énormément parce que Matt était déjà au filet, il avait anticipé, du coup il a eu tout le temps de préparer son smash revers. Bon, Morgan qui n'est pas dans le détail. Hein. Morgan il est même touché la vitre en haut. Ah oui. D'ailleurs, je crois que c'était tout à l'heure, il y a un internaute qui disait que ça lui rappelait un petit peu le club du Toulouse Padel Club,
avec cette baie vitrée qui surplombe le terrain central. Et c'est vrai hein, que le Toulouse Paddle Club a ce clubhouse qui surplombe également. Et c'est ce qu'on a beaucoup aimé ici à Champigny, c'est qu'on peut, on n'est pas obligé d'être sur le terrain pour pouvoir apprécier le match. Bah et d'ailleurs, ils sont nombreux hein, et nombreuses à regarder ce match avec quelques bières à la main. Morgan qui est un petit peu gourmand. Là, ouais. Le service de Max sort un petit peu. Je pense que Mathieu l'attendait un petit peu plus fort de la part de Fabien, et au final, il était trompé. Elle est belle, elle est bonne. Elle est magnifique. Oh oh joli point. Très très joli point. On voit 4 joueurs très très affûtés physiquement. Il a touché le filet, on peut le dire. Super. Quel point. Super. Petite question pour toi Franck qui est dans le paddle depuis longtemps. Pourquoi des matchs en 2-7 gagnants et pas en 3? Alors je vais te répondre précisément mon cher JB. D'abord parce que finalement c'est un peu comme au tennis. Hein. On a de nombreux matchs en 2-7, la plupart d'ailleurs. Et j'irai même plus loin. Au tennis on avait beaucoup de matchs en 3-7 notamment... pour les P1000, hein, tu sais. Et aujourd'hui, on n'a plus les tournois se font, même pour les finales, se font en 2-7 gagnants. Donc voilà, ça me paraît à peu près logique. Alors, autre chose, c'est qu'il y a eu un test qui a été fait par le World Padel Tour, notamment pour la finale. C'était à 2-3 ans. Ils ont testé les matchs en 3-7 gagnants. Mais c'était particulièrement difficile pour les organismes, pour les joueurs, notamment pour ceux qui faisaient la finale. Derrière, il devait enchaîner parfois avec les étapes du World Padel Tour, avec d'autres épreuves. Et c'est vrai que les tests se sont révélés peu concluants. Après, je pense que c'est aussi lié à tout ce qui est télé, streaming, etc. Parce qu'évidemment, plus ça dure, plus ça coûte de l'argent. Et donc du coup, probablement, malheureusement, hein, pour les spectateurs, on aurait dommage qu'on ne puisse pas voir des épreuves entre 7 gagnants. Après, pour nous, je pense que c'est très bien en 2-7 gagnants. Hein. Déjà qu'on se bat pour justement qu'il y ait du 2-7 gagnant et qu'on a, tu sais, avec les histoires que tu connais, hein,
avec toutes les histoires qu'on a eues en France avec le NOAAD, les 9 jeux, etc. Déjà, c'est très positif puisque aujourd'hui, on voit de moins en moins de tournois proposés en 9 jeux, des épreuves en 9 jeux. Et même le système en NOAAD, aujourd'hui, au fur et à mesure, est en train de disparaître petit à petit puisque les clubs comme les joueurs estiment que ce n'est pas forcément le bon système. Après, si un jour, pourquoi pas pour des grandes épreuves, genre P1000 ou peut-être P2000, hein, on va savoir, puisque P2000 pourrait exister l'année prochaine, même si rien n'est encore fait, et bien peut-être qu'on pourrait avoir la possibilité de voir, enfin ce serait bien qu'on voit, pourquoi pas pour une finale, un super match, une super finale entre 7 gagnants. Bon, pourquoi pas, hein. Après, c'est dur physiquement, encore plus lorsqu'on fait tous les matchs sur 2 jours. Mais on a envie de voir, c'est vrai qu'on aimerait bien voir de nouveau des matchs entre 7 gagnants, au moins pour le circuit professionnel, pour une finale. Bon, normalement une étape c'est toutes les 2 semaines, donc ils sont quand même suffisamment préparés pour faire des tournois, une finale en 3-7. Oh là là, Morgane. Ah, ça s'appelle Vendanger, non? Ça s'appelle une vendange, une bâtisse Bonvier. Pas une bâtisse Bonvier. Il se reconnaîtra. À cause de lui, on a déjà changé 3 vitres. Baptiste Bonvier, hein, qui jouait aux côtés de Laurent Michel et qui est arrivé 3e de l'Open 500 Pat de l'Horizon. Il monte le Baptiste, il monte, hein. Oui. Fabien qui a joué finaux, il aurait pu conclure. Il a été sympa, mais c'est un joueur, on le sait. C'est un acteur. C'est un acteur, un joueur. Et il avait son pote en pointe de mire, alors bon. Tandis que Mana, comme d'habitude. Tout droit, très fort. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Morgane qui s'est bien tourné, mais... Parce que depuis 2-3 jeux, on voit Morgane se déconcentrer un petit peu, commettre des erreurs, tandis que la paire Weber-Bourgoin, elle est là, elle se bat, elle essaie de faire pencher la balance. Bon, ils ont peu meilleurs sur le papier, mais faut faire gaffe. Faute direct sur le retour de Maxime. Très mal, ça fait très mal. Ça fait break confirmé 4-2 dans le deuxième set pour Mana Lapouge. On va voir qui a dû digérer le rogaille saucisse. Oui, d'ailleurs, c'était une spécialité réunionnaise, non? C'est réunionnais. Tout c'est à fait. Réunionnais. C'est réunionnais. Le rogaille, okay. Il peut être à plein de choses différentes, mais. Il a un petit côté épicé. La recette a été Madame faite Weber. Où, comment? Ah voilà, Madame Weber. Weber, hommage. Hommage à Madame Weber. À Madame Weber qui a réussi son tournoi, on peut le dire, hein, avec ce plat fait maison. Fait maison. Qu'en as-tu pensé? Ah bah... On te l'a pas servi? Ah si, on me l'a servi et je peux te dire que... Il restait même plus un petit riz dans l'assiette. D'ailleurs, je n'ai pas été le seul, hein, Clément aussi. D'ailleurs, il en a encore... Au coin de la bouche. Au coin de la bouche, ouais. Quel compte de Morgane. Alors moi, j'ai une question, JB, pour toi. Une question parce que je sais que tu es un expert en la matière. À quand
ou quand sera autorisé de jouer avec les parties du corps au paddle? Est-ce qu'un jour tu penses qu'on pourra faire un contrôle du téton? Un contrôle du téton, je sais pas, une tête, un coup de pied, ou là par exemple, tu vois, par exemple. Une balle déviée. Une balle déviée avec le corps, pourquoi pas? Ça me permettrait peut-être de gagner un match. Mais non, je suis pas persuadé qu'on instaure cette nouvelle règle. Je suis pas persuadé. Après, faire des ailes de pigeon sur un smash de Manarino, c'est pas évident. C'est pas évident. Ah bah écoute, on a des Lillois qui arrivent petit à petit. On a Étienne Brouillard, qu'on salue. Philippe Cordin, qui est pas très loin, enfin lui qui est en région parisienne, à qui on dit bonjour. Et d'ailleurs, prochainement, il viendra avec une carte un peu particulière. J'en dis pas plus, que je sais pas si j'ai le droit d'en parler. une carte padel pour avoir des promos, des tas de choses comme ça. Enfin, un truc très intéressant. Mais effectivement, qui permettra peut-être aux joueurs de payer moins cher lorsqu'ils sont par exemple en voyage pour des tournois de padel. Charles Dragon. Oui, oh, oui. Et Maxime nous a fait une bonvier. Christophe Yves est avec nous. Alors, je ne sais pas si tu connais Christophe Yves. Cela aurait pu être un très bon joueur parce qu'il a commencé il y a très longtemps avant que les clubs de padel en région parisienne ouvrent, puisqu'on jouait au club des Pyramides il y a très longtemps. Et maintenant, malheureusement, il joue plus alors qu'il a un jeu d'attaquant déjà au tennis, hein, puisque je crois qu'il y a un 6 ou 0, peut-être même des gats. Et un joueur service volé, hein. Service volé grand, qui tape fort, une bonne main. J'espère qu'on le reverra sur les terrains de padel. Ouh là 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 là, dommage, dommage. On joue avec Nicolas Ouar, je ne sais pas si ça te parle, Nicolas Ouar. Non. Un bon joueur de padel également, joueur de droite plutôt, mais lui aussi qui joue très très peu malheureusement. La saison arrive. Tandis que Harry commente, effectivement commente la fameuse balle smash de Mathieu Lapouge, qui aurait pu être compté faux. Et il dit en effet, la balle ne revenait pas de la vitre. Merci pour la précision. Donc en effet, la balle de Mathieu Lapouge aurait pu être considérée comme faute probablement. Mais enfin bon, on va pas revenir là-dessus. Il s'agissait que d'un point. Et puis probablement que ça va tellement vite que personne ne le voit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les joueurs, personne n'a manifesté. Peut-être même que c'est nous qui nous trompons. Frédéric Rondeau qui regarde ce match également et qui a participé au tournoi avec Nicolas Roux. Un petit peu... Il faut que la saison de beach commence pour Morgane, car le bronzage n'est pas encore là. Et bien là, c'est une balle de débreak, hein. On en parlait tout à l'heure, on sent la paire Morgane-Mathieu. Oh là, dommage. La bande du filet qui vient sauver Morgane et Mathieu. Ah oui. Ah, ils sont chanceux là. Et Morgane et Mathieu, ça fait MoMA. Et MoMA, qu'est-ce que c'est, Franck? C'est un joli musée new-yorkais que je vous invite à visiter. Ah.
Nouvelle balle de break pour la paire Bourgoin-Weber. Nouvelle balle de break pour Bourgoin-Weber. La troisième ou la quatrième, monsieur Clément Lefebvre ? Troisième. La précision. Ah, Clément impressionne. Hein. Vraiment, il est très très impressionnant. D'ailleurs, peut-être que parmi tous les joueurs, celui qui impressionne le plus ici au club, c'est Clément Lefebvre. Et non, il n'a pas le droit, mais il l'a fait. Dommage. Dommage, Max. Troisième de balle de break sauvé. Comme le triplé de Memphis Depay. Première balle pour deuxième balle pardon pour confirmer le break. Yeah. Elle est belle. Joli contre de Maxime Bourgoin qui fait une sortie à gauche. Et qui claque la balle sur le terrain numéro 2. Il aura le droit à son pic en bière. Quel volet amorti, superbe Morgane. Break confirmé. 5-2. 5-3 pardon pour Moma. Oh là là. La volée amortie de Max. 15-0. Superbe. Thank you.
Faute. 5-4, Manarino, Lapouge. Et petite information, monsieur Lapouge va quitter la région Île-de-France pour aller, je vous pose la question Franck, à Bordeaux. À Bordeaux. Oui. C'est une mauvaise nouvelle pour Pas de l'Horizon. Oui, une très mauvaise nouvelle. Hein. D'ailleurs, c'est une mauvaise nouvelle même pour la région Île-de-France, tout simplement, puisque il rayonnait par sa sympathie et son jeu. Non, on lui souhaite plein de bonnes choses à Bordeaux. Il part avec sa femme et ses deux enfants. Elle est belle. Beau point conclu par Morgane, 15-0. Super bloc de Weber. Bien conclu par Max, 15 partout. C'est le moment de remercier Franck pour tout ce qu'il fait pour le paddle. Et c'est très très sincère. Petite mimine de la part de Morgane. 30-15. Ils se sont bien trouvés, hein, Morgane. Et Mathieu Lapouge, hein, puisque aujourd'hui c'est vrai que c'est devenu une véritable paire. Hein, elle est formée, elle est là et ils ont l'intention d'essayer de tenter de déloger les meilleures paires françaises là, qui aujourd'hui font très mal. Hein, je pense évidemment à la paire en tout cas. Maigret-Tison évidemment, Blanqui-Bergeron, Skatena Ziza, même si on les voit pas parce que c'est en Espagne, mais on sait très bien qu'ils nous ont montré encore la semaine dernière à Monaco. Que même s'ils ont perdu le premier tour parce qu'en effet il y avait pour eux la malchance de tomber face au numéro 15 mondial, mais bon, ça joue, il n'y a pas de souci là-dessus. Jeu 7 et match, Lapouge Manarino. Merci pour le spectacle. Eh ben, mon cher JB, c'est un tournoi qui se termine. Qui se termine bien. Pas vraiment de surprise finalement dans ce tournoi, puisque la paire favorite du tournoi remporte l'Open 500 de Padel Horizon, en n'ayant même pas perdu d'ailleurs le moindre set. Non. On peut pas dire qu'ils aient été également très très inquiétés. Pas de tie-break, mais du jeu. Dans cette finale, on a eu quand même un beau match avec un Fabien Bever et un Max Bourgoin là, présents, qui ont peut-être raté un peu le coche, peut-être, je pense, dans le deuxième set, à 3-2 ou 4-3 pour débreaker. Ils ont eu des balles de débreak. Ils ont eu 4. Et ouais. Ils en ont eu 4. Et c'est dommage parce que on aurait pu voir un nouveau match, un nouveau set. Ouais. Merci à eux, merci à toi Franck. Eh bien, merci JB, super. Super tournoi. Merci à Clément surtout. Ah ouais, Clément, alors vraiment, c'est grâce à lui, encore une fois, hein, si vous avez eu du live score. Alors vous avez le droit également de l'engueuler si vous pensez qu'il s'est trompé sur un ou deux. N'hésitez pas, c'est le moment. Mais je pense que l'erreur n'est pas dans le Lefebvre. Non, l'erreur n'est pas dans le Lefebvre et surtout l'erreur n'est pas dans Schmitz. Ça, tout à fait. Voilà. Schmitz-Ruiz, Schmitz-Ruiz, ils nous ont fait rêver, je pense. Voilà. Ils nous ont fait rêver. Sébastien essaye toujours de convaincre Baptiste. Non.
Je vais répéter ce qu'ils disent en fait. Je vais le dire. Dites-nous, Thomas. Dites-nous. Ah, il y a. Il y a des dossiers. Bon, allez, on va. Trêve de plaisanterie. Merci, les amis. Super tournoi. C'est l'heure de l'apéro. Et là, je souhaite être le prums, mon cher. Tu seras toujours avant Baptiste. Ça, c'est sûr. Ah, c'est pas sûr. Allez. À tout de suite. À tout de suite.